vice-président numéro 3, Zygmunt Roman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Daoud. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. D'où vient cette musique-là? C'est pas possible, ça. Ça vient de... Charlotte, tu entends cette musique-là? Ça vient d'où? Président, comment tu me poses des questions comme ça? C'est chez moi, ici. Oui, mais quand même, tu connais bien Gou. Pourquoi tu bruit comme ça? C'est pas toi? C'est quoi cette musique-là? C'est quoi ça? Dao! Ça vient d'où? Dao! Oui, là! Hein? Dao, Dao, on est ici en haut. Ah. Hey. D'où vient cette musique-là? Comment ça? Regarde la sécurité. Mais tu étais où d'abord? Tu dormais? Non. J'étais dans les toilettes. Attends, tu n'es pas dehors au portail? Hein? Mais la musique-là vient d'où? Bougali! Dormir tranquille, c'est Boukari est où? Non, y'a quoi, tu parles beaucoup comme ça? Y'a quoi, t'es un fou? Je suis pas fou. Voilà le plaisir. Boukari, la musique là vient d'où? C'est pas vous qui jouez musique là? Boukari, depuis que tu me connais, tu m'as déjà entendu écouter une musique comme ça. Ça vient d'où? Allez chercher d'où vient cette musique. Gou, même, on est chez toi. Il y a une musique bizarre comme ça. Bonjour, monsieur, dame. Ah, Miss Daisy. Bonjour, Miss Daisy. Bonjour, justement, d'où vient cette musique? Son Excellence vous attend en bas avec un invité prestigieux. Et vous devrez venir habillé impeccablement. Eh? Merci. C'est quoi ça? Impeccablement? Vous, un invité prestigieux et puis nous, on n'est pas au courant. Mais ça peut être qui? C'est pas la ministre. C'est pas madame la ministre. Non. Madame la ministre? Oui, comment? Mais la dernière fois, elle est venue nous trouver chez toi, président. Oui, c'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même elle chose? Elle peut pas venir chez le vice-président numéro 1 sans m'informer, moi. Oui, mais quand elle est venue chez toi, là, elle t'a pas informé? Il y avait une raison bien précise, c'était un remaniement. Président, tu dis qu'elle a l'habitude de venir sans t'appeler. Tu as oublié, c'était pour un remaniement. Elle peut pas venir comme ça sans prévenir chez moi pour des raisons privées, non. Mais attends, Gou peut recevoir qui sans nous dire? Et si c'était le ministre des Finances? Ah, ça explique tous les mystères autour de cette maison-là. Ben, on sait pas qui il reçoit ici. Attends. Bon, et faut vous habiller, elle a dit, impeccablement. Hein, okay, parce qu'on sait pas qui c'est. Mais attends, toi tu sors d'où comme ça? Ben, je suis en train de dormir. Tu dors comme ça? Ah, président, on sait jamais, avec tous ces coups d'état-là, au moins, faut être habillé. Ou bien, tu veux que je sois en caleçon, coup d'état, me fait sortir, ça prend les réseaux sociaux avec toutes les photos que les gens prennent maintenant. Président, il a raison. Hein. Moi, je suis habillé. Hein. Raison, mmh, jamais. Tu as raison. Hein. Moi, je veux dormir habillé maintenant. Ah, moi aussi. Oui. On se retrouve en bas. Oui. Hey, Gou, c'est quoi que... Mais Gou, tu... Hey, y a quel problème? En tout cas, ça doit être quelqu'un d'important, hein, vu comment Miss Daisy m'a parlé. C'est qui ça? Lui, là, je l'ai jamais vu. Hein. En tout cas, tu sais, les conseillers de président fondateur, là, souvent, c'est des gens inconnus. Je suis sûr que Gou... Attends, si Gou magouille pour prendre ma place, moi je vous le dis, hein. Non, il peut pas. Non, ça peut pas. Faut pas avoir peur de ta place. Comment Gou ça? Gou qui est là, tu depuis connais tout le... le temps, il veut, c'est ce qu'il veut. Tu connais le problème de Gou. Gou, là, c'est l'argent. Est-ce comment que ça, Gou n'est pas en train de vendre nos maisons? Hmm? Il est capable. Et pourquoi il nous fait descendre alors? Mais pour montrer qu'on est d'accord et tout. Je signe rien. Moi, ah non, ne signe aucun papier. Moi, là où on s'en va, ne signe rien. Ok. Ça, je vous préviens. Moi, je ne pense pas que c'est pour vendre quoi que ce soit, hein, ou pour pourquoi bien pour prendre ta part. Je pense qu'il magouille quelque chose contre mon mari. Non. Tu dis dans sa tête, là, est-ce qu'il est seulement quelqu'un qui vous peut aller dans l'armée? Oh, Charlotte, toi, tout le temps, tu l'as. Et là, son toi, ton mari. Ouf. Eh, vous là, venez. Je vous appelle, puis vous venez vous attrouper là. Hé, Gou, ça veut dire quoi, ça, de nous parler comme ça? Ça veut dire quoi, déjà, de nous lever avec une musique intempestive? Mais c'est quoi cette musique-là, honorable Michel? Vous savez de quoi on parle? C'est qui, le monsieur-là? Aujourd'hui, là, c'est le jour de votre jour. Ça dit, c'est votre jour de gloire.
Oui, 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 de gloire. Et à gauche, faut prendre les gens au sérieux. Nous, des responsables, tu peux pas oui. nous réveiller avec une musique bizarre. Et puis maintenant, on arrive ici, c'est toi qui es en train de crier oui. la chance de votre vie, la chance. Hein, oh, quand tu regardes le monsieur là, il peut te détenir la chance de qui? Tu m'agouilles quoi avec lui? Honorable Michel, s'il te plaît, dis-nous c'est qui? Ce monsieur que vous avez vu là. Oui, c'est qui? Oh, bordel. Ce qu'il a fait pour moi, non mais c'est trop, c'est incommensurable. Ah oui? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un homme de Dieu. Gou, c'est qui? Ah bon? On se demande depuis un homme de Dieu. C'est le pasteur de Perpignan. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez jamais entendu parler. Lui, pour avoir un rendez-vous avec lui, il faut 2 mois, 3 mois d'avance. Lui là, mais il fait des miracles. Compagnon tu pries, mais c'est tu quand pries. On ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle. Et c'est ça qui est là. Tu pries pour prendre ma place. Moi, non. Sinon, je ne t'aurais pas appelé ici. Ce monsieur là, non. Non, je lui fais des miracles. Il a il prié déplace pour toi. Des montagnes. Oui. Il a prié pour toi. Il prie toujours pour moi. Et qu'est-ce ça est-ce que vous, avec n'avez, nous. Vous n'avez pas remarqué pendant les élections ce qu'il a fait pour nous? Il a fait pour nous. Quand on a failli perdre les élections, là. On a, non, non. C'est vous... lui qui a fait qu'on a. On a on quand a... tu as failli perdre les élections. C'est toi qui as failli perdre les élections. Voilà, c'est lui-là qui a fait qu'on a eu la victoire finale. Qu'est-ce c'est lui-là. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait quoi? Les résultats étaient inversés. C'était une erreur. Voilà. Et alors? Et c'est lui qui a fait que. On a découvert que c'était une erreur, que le résultat était inversé. Il fait miracle. J'avais perdu un oncle. Il y a 2 ans, 3 ans comme ça. Quand mon oncle est mort, je l'ai appelé, j'ai appelé le pasteur. Quand il est venu là, il dit calme-toi. Et chez lui, les morts ne sont jamais morts. Il a ressuscité. Et il a ressuscité oh, le monsieur. Yeah, non, 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 dis-moi, viens. Attends, mais il faut respecter les gens. C'est moi qui te dis. Pourquoi tu racontes ça hein? Non, on aura pas des enfants. Tu racontes quoi? Non, non, c'est sérieux. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Ce que je vais vous demander. Vous allez venir avec moi, il va faire la prière pour chacun, dans son domaine. Toi, tu es président, non? Oui. Il va te consolider ta place de président. Lui, là. Toi, tu es troisième vice-président. J'ai dit, personne d'autre ne prendra ta place. Tu vas rester troisième vice-président à vie. Moi, il t'a dit, je vais rester troisième vice-président. Bon. Moi, je dois évoluer pour être premier vice-président aussi. Ah bon? Alors. Là, tu as amené le problème. D'accord. Charlotte. Moi, je vais prier. Tu vas prier. Moi, voilà. Je vais prier parce voilà. Que, président, ce qu'il a dit là, c'est très important. Hein. Ressusciter oh, son oncle. Moi, dans tous bon. Les cas. Moi, Gou. Oui. Gou. Tu me demandes de venir prier. Oui. Avec un pasteur. Oui. Tu as oublié que je suis musulman. Mais, président, c'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Mais si je vais prier avec eux, mes marabouts vont dire quoi? Ne les informe pas, c'est tout. Ah, mais ils vont. Tu connais les marabouts, hein? Ils peuvent être au courant, hein? Président. Oui. Tu as des marabouts? Hey, tu crois que moi je dors? Lui, là, quand tu le regardes, là, tu sais pas que c'est quelqu'un qui évolue à aller marabout. Moi je dors pas. Hein. Regarde-le. S'il n'y a rien d'important, moi je sommeille, je vais aller dormir. Mais pourquoi? Donc ce que je dis là, c'est pas important. Non, mais tu sais que ça ne me concerne pas. Ouais. Moi, et pourquoi ça ne te concerne pas? Non. Ah non, on va prier. On ne sait jamais. Moi je suis bouddhiste. Tu es quoi? Allez je suis prier. Bouddhiste. Voilà. Il dit de quoi? Il est bouddhiste. Bouddhiste. Je comprends pourquoi tu boudes tout le temps là, toi. Non, non, il faut respecter la religion des gens. Non, non, j'ai non, pas... Nous, on a respecté ta religion, ton pasteur. Respecte nos pas religions. Critiquer la président, voilà, non, président pas critiquer. C'est un même Dieu. Tu comprends, non? Charlotte. Il faut... Allons prier, ça allons fait prier. Quoi? 5 minutes de Charlotte, prière, tu, ça te fait quoi? Maintenant, tu es avec lui. Même mais, si vous ne priez pas, vous restez à côté. Charlotte, si tu rentres dans ça, je dis à ton mari. Hein. Mais tu vas dire à mon mari, moi, je vais à la prière tout le temps, hein? Je vais d'ailleurs avec ta femme tous les samedis. Est-ce que tu sais ça? Ma femme? Ta oui. femme. Et elle prie pour toi, hein? Président, fais attention. Mais elle fait quoi là-bas? Comment ça fait quoi là-bas? Elle va ta prier. Ta femme ou bien c'est ma femme? Ah, ok. D'accord. Président, alors faut venir prier. Venez, même si vous ne priez pas. Déjà, elle fait quoi là? Même si vous ne priez pas, vous restez à côté pour regarder. Nous, on va prier. Venez assister sur le moment. Viens, on aura moi, je suis musulman, je ne vais pas participer. Toi, tu peux bouder à côté. Viens bouder à côté. Je vais mettre ton nom dans la il faut rester ici. Toi, il faut rester. Nous, on va aller faire le truc là. Et puis, je viens. Venez. Venez, on va prier. Venez. Nous, on reste de côté. Venez. On va voir. C'est le pasteur des Perpignan. Si il dit un mot sur moi, il est le frappé. Non, il ne va rien dire. Non, venez, les bouddhistes, c'est la non-violence. Si, si lui, le pasteur, là, il parle mal des bouddhistes, moi, il est le frappé. Si le Dalai Lama t'entend, il va dire quoi? Bon, viens, assieds-toi ici. Faut t'asseoir là. Ils sont où les autres? Président! Oh, vraiment, ces gars-là. Mais venez! Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on regarde. Oui, oui, mais venez vous asseoir pour regarder. Oh. Asseyez-vous là. Président, faut t'asseoir là. On a du faut t'asseoir là. Mais soyez calme. Ici, là, l'homme de Dieu n'aime pas le scandale. Oh, nous, ça, je vous préviens. Nous, on a dit qu'on est calme, nous, on observe. Papa. Quel papa
c'est mon papa. Ah, il faut prendre les gens sérieux. Pourquoi? Tu es plus âgé que lui. Oui, maman, à partir du moment où il est pasteur, là, même si c'est ton fils, tu l'appelles papa. Oui. Hé, hey, appelle-le papa. Non, 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 nous on observe. Alléluia. Amen. Un cantique, ma fille. Seigneur, nous voulons te dire merci. Amen. Pour le don de la vie que sans aucun mérite de notre part, Seigneur, tu nous accordes en ce jour. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va vous bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te sauver. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alors, on va s'asseoir. Asseyez-vous, parce que le Seigneur a quelque chose pour vous aujourd'hui. Je vois mon fils Gou qui rayonne comme ça, par la grâce de Dieu. C'est ça. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Sois béni, mon fils. Amen. Sois béni. Amen. Alors, aujourd'hui, l'Esprit est en train de me dire des choses sur ces enfants que tu m'as ramenés. Mon fils, qui est là en bleu. C'est toi. Je ne suis pas son fils. Mais c'est un assiette d'abord. On ne fait pas de scandale ici. Quand tu regardes lui, il peut accoucher, président. Garde pas. Regarde, faut bouder en silence. Tu comprends? L'Esprit me dit, mon fils, c'est que toi. Tu as un gobelet bleu dans ta maison. Oh, quand ça n'a pas aucun faux. Go. Donc, quand tu viens chez moi, c'est pour m'espionner. C'est ça? Tu m'as une fois montré un gobelet bleu chez toi? Moi, il ne peut pas me pressionner avec ça. Hein? Attends. Mon fils, ce gobelet bleu se trouve dans ta chambre. Ah, moi, tu m'as une fois vu dans ta chambre? C'est un gobelet bleu en cristal. Et tu l'as ramené lors d'un voyage que tu as effectué en Inde. Président, quand tu es allé en Inde, là, quand, à ton retour, on t'a demandé, tu as ramené quoi? Tu dis rien. Oh, tu as ramené un gobelet bleu. En cristal. Attends, comment il sait ça? Ah, je vous ai dit, j'ai lu là, papa, là, il fait des miracles. Ce sont des révélations. Mais comment vous savez ça? Dieu, il voit tout, l'Esprit de Dieu voit tout. Une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir, Dieu voit. Amen. Écoute, mon fils. Écoute. Si ce gobelet se casse, c'est ton poste de président que tu vas perdre. Amen. Amen. Go, tu as dit qu'il allait me protéger. Oui, mais il faut reconnaître d'abord. Écoute, mon fils. Tu vas apporter ce gobelet ici dans l'église. Oui. À lui? Oui. Non, je ne peux pas. Ah, si? Si je viens, mes marabouts, ils vont me voir entrer dans l'église. Je ne peux pas. Je m'occupe d'eux, mon fils. Ne t'en fais pas. Voilà. Le Seigneur a l'armée la plus puissante. Amen. 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 Quand ça va, quand nous fâchons. Bon, go. Je viens et on va ensemble. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. La nuit, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comment il sait ça? Ah, il est très puissant. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est ça. Mais pourquoi tu nous l'as caché comme ça? Ah, président. Oh, quand ça va, quand nous fâchons. Fort, hein. Je veux. Bon, go, tu viens. Non, tu veux tu peux pas partir. La nuit. Mon fils, c'est déjà dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a un plan pour toi. Lui fait des miracles. L'Esprit me dit, tu te voles. Hop. Parce que tu as de l'argent dans ton placard. Mais quand tu vas chercher cet argent, tu regardes derrière toi. As-tu peur de qui? Du Seigneur ou des esprits impurs? Il faut répondre. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ben oui, quand tu prends l'argent, tu ne veux pas que quelqu'un sache, donc tu regardes avant de prendre. Dans ta chambre. C'est normal. Mon fils. Oui. Tu as une queue de cheval derrière ton placard que tu as attachée avec des fils rouges. Oh. Et c'est ça qui te protège. Même les souris n'ont pas pu toucher. La dernière fois, il y a une souris qui a touché. La souris est morte et tu as accusé ta femme. Ouais. Oh, quand ça va, quand ça va. Mais qui t'a parlé de ça? Oh non! Il est fort. C'est pas un pasteur, c'est un drone. Je vous ai dit. Comment? C'est comme si c'était le drone de Dieu. J'ai dit, quand j'ai perdu mon oncle, ce papa l'a ressuscité. Ah non, moi je te crois.
Je il a ressuscité mon... Amen. 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 Donc tout ce qu'on fait, il voit. Il voit tout. Lui là, il est hyper puissant. Vous voyez cette maison. Tu nous l'as caché, pourquoi tu... Vous voyez même cette maison là. Oui. C'est grâce à lui que j'ai obtenu ça. Ah ben oui. On a quand même le Seigneur. Il a prié en même temps que j'ai obtenu ça. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Dieu veut changer votre vie. Amen. Mais vous devez vous confesser. Voilà. Pour que le Seigneur puisse faire le travail qu'il a fait dans la vie de mon fils. Dans ma vie. Dans votre vie. Amen. Un cantique, ma fille. Je vais aller les écouter. Je suis dans une joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Go, après moi, c'est après moi. Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Libéré. Je suis dans la joie. Je suis. Amen. Non, je dois me confesser. Vas-y. C'est moi. Je commence. Maman. Ouais. Il faut dire tout ce qui est dans ton cœur là. Il faut, en tout cas, c'est la confession. Donc tous mes vœux, tout ce que tu veux, oui. Tout ce que tu as fait de mal, tous tes péchés là, il faut tout dire. Ce que tu as fait de mal. Tu sais ce que tu as fait. Faut aller lui dire là-bas. Va vite. On va pas discuter pour ça encore. Et il va pas te dire après toi. Oh. Va vite. C'est sûr. Oui. Va. D'accord. Ok. Mais après vous aussi, vous allez vous confesser. Oui, mais va d'abord. D'accord. Pasteur, j'arrive. Je suis dans. Il est dangereux, hein? Il est dangereux, comment ça? J'ai dit, là, quand je vous dis que lui, là, il a ressuscité mon oncle, là, vous croyez pas? Non, moi, je crois. Je crois. Mon fils. Oui, pasteur. Pas le téléphone. Non, je suis obligé, je suis le président. J'ai une position très importante, il y a des dossiers urgents, il faut que je sois joignable tout le temps. Oui, mais ça va créer des interférences. Et avec Dieu, il n'y a pas d'interférences. Des interférences avec Dieu? Oui, non, c'est pas bon. Garde le téléphone. D'accord, je vais éteindre. Alors, mon fils, vraiment, c'est très courageux de ta part de venir te confesser. Alors, dis-moi tout. Tout. c'est pas facile, hein. Je suis président du Parlement, du bureau exécutif depuis très longtemps. Mon fils, écoute-moi. Oui. Ta femme, elle vient toujours se confesser ici. Je sais tout. Elle vient prier, elle vient se confesser aussi? Tous les jours. Je sais tout ce que tu fais. Mais pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que ça sorte de ta bouche. Dis-moi tout. Pasteur, puisque ma femme t'a tout dit, donc c'est bon. Ça doit sortir de ta bouche pour que tes péchés soient pardonnés. Pasteur, j'ai été convaincu par... Par ton art, j'ai été convaincu par ta foi, mais en tant que président, il y a des choses, des dossiers qui me passent sous les yeux, je ne peux pas tout dire, pasteur. Bon, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien, en ma position de pouvoir, je fais des choses qui ne sont pas bien, donc c'est pour ça, il faut que Dieu me pardonne ça. Mon fils, oui. Tu voles? Non. Pasteur, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Non, je suis l'objet de beaucoup de tentations dans ma position. Il y a plein de choses qui me passent sous les yeux. Donc, de temps en temps, il y a des optimisations fiscales, il y a des recours à des paradis fiscaux, des comptes offshore, des déviations de subventions, mais ça se résume à ça. Non, dis simplement, je vole. Tu voles? Bon, ça reste entre nous, pasteur. Vas-y, dis-moi tout. Voilà, il y a des échappatoires, des banques qui sont en écran, des systèmes monétaires que... Oui. Tu voles? Oui, je vole, oui. Tu dis quoi? Répète. Je vole. J'ai volé. Et c'est tout? C'est pardonné? C'est pardonné. Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as pas dit? Mais si je dis Dieu pardonne tout, hein? Tout. D'accord. Alors, au bureau exécutif,
Gou, par exemple, il ne faut pas lui dire. Hein. C'est un secret. D'accord. Donc, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de subventions, beaucoup de budget. Alors, je prends les trois quarts, je garde pour moi, et le quart qui reste, c'est ça que je montre à mes collègues et on divise par quatre. Mon fils. Oui. Puisque tu as dit la vérité. Oui. Tes péchés te sont pardonnés. Non, c'est pas tout. Il y a aussi, il y a eu un budget qui était venu pour les pauvres de ma circonscription, pour construire une maternité, un dispensaire au village. L'argent n'est pas venu, c'est resté là-bas dans la banque. On a mis ça à mon nom. Donc, en plus que tu voles, tu détournes et tu mens. Non, c'est, j'ai pris des libertés avec la vérité. Je mens. Ok. Donc je vole, je mens. Beaucoup. Mon fils, tu as bien fait. Donc, Dieu va me pardonner beaucoup. Tes péchés te sont pardonnés. À partir de l'instant où tu as tout dit. Je suis pardonné. Va en paix. Merci, papa. Merci. Ma fille. Oui, pasteur. Ça va bien, pasteur. D'accord. Merci. Tu es venue te confesser? Oui, c'est ça. Voilà. Ici, on ne sourit pas. On ne sourit voilà. pas. Il ne faut pas essayer de charmer l'homme de Dieu que je suis. Non. Je ne fais pas ça. Donc, je t'écoute. Dis-moi tout. Pasteur, tu sais, moi, je me confesse chaque semaine. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas beaucoup de péchés à avouer. Donc, mais j'ai quand même quelque chose que je n'ai jamais dit à mon autre pasteur. Donc, c'est un petit péché, hein. Ce n'est pas très grand. Donc c'est... Vas-y, oui. Je t'écoute. Fais parler ton cœur, dis tout ce qui est sur ton cœur, je t'écoute. Oui, pasteur, en fait, mon mariage, là où je suis, là, avec le général, là, ce n'était pas mon mariage avant. C'était le mariage de ma cousine, c'est-à-dire que je l'ai fait partir, je l'ai chassé, quoi. Mmh. Et puis le général m'a épousée, donc... Mais je ne l'ai pas chassé brutalement, je l'ai... Elle est sortie doucement, et puis moi je suis entrée. Mmh, ce qu'on appelle à l'église, tu l'as rasée, c'est ça? Un peu. Ok. Continue. Pasteur, c'est tout. C'est tout? C'est sûr? Pasteur, il y a un petit fonds, très petit, mmh. qui était alloué au Parlement il n'y a pas longtemps, que j'ai fait bloquer par mon mari dans mon compte. Mmh. Oui. Donc, mais les autres ne sont pas au courant. Hein. Président, les autres honorables, là, ils ne sont pas au courant. Parce que j'ai imité la signature du président. Mmh. Je crois que ce n'est pas très grave, ça. Hein? Donc, au fait, tu as un esprit de jalousie et tu prends tout pour toi. Non, je ne prends pas tout. Je ne prends pas tout. Et ce que tu as fait, hein? Je prends un peu. Ah, d'accord. C'est tout? C'est tout ce que tu as me dit? C'est tout ce que tu as dit au Seigneur aujourd'hui? Oui, c'est tout ce que j'ai à dire au Seigneur aujourd'hui. Bon, pasteur, ce matin, j'ai mis du sel dans le café de l'honorable Digbeu. Mmh. Mais heureusement qu'il n'a pas bu. Donc, ce n'est pas un péché, ça ne compte pas. Mmh. D'accord. Ma fille. Pasteur. Et Dieu t'a entendu. Amen. Et tout ce que tu as dit vient de ton cœur, réellement. Amen. Tu es pardonné. Amen. Va en paix. Amen, pasteur. Est-ce que je peux chanter une chanson quand même? Parce vas-y, que comme... vas-y. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Tu as dit quoi? Je n'ai rien à te donner, mais je te dis... N'a rien à donner? Si, pasteur, j'ai 20% de ce que j'ai bloqué là-bas dans le compte. Voilà. Donc, tu peux maintenant continuer ta chanson. Mais je te dis merci, merci Seigneur, merci. Que merci. J'ai quelque chose à donner. Allez, dis-le. J'ai quelque chose à donner, donc je te dis merci. Amen. Amen. Ma fille,
parce Allez, que... sois béni. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Merci, pasteur. Va aller. À bientôt, pasteur. À bientôt. Ne pêche plus, hein? Non, pasteur. Alors, mon fils. Oui. Dis-moi. En fait, je suis venu m'asseoir. Mm-hmm. Parce que mes amis sont venus. Mes collègues sont venus. Sinon, en réalité, mm-hmm. je ne sais pas quoi dire. Mon fils, le salut est personnel. Dis-moi tout. Confesse-toi. Quand je suis venu, il était salué. Ou bien, il n'était pas salué. Si. Ah. Mais je veux écouter tes uh-huh. péchés. Je veux entendre tes péchés. Pour que je puisse te pardonner. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour moi, là, il faut un ange même qui descend. Mm. Oui, sinon, ça te dépasse. Tu es sûr? Oui, c'est pour ça que je suis devenu bouddhiste. Parce que là-bas, au moins, tu n'as pas le temps d'expliquer tout ce que tu as de mauvais. Là, tu expliques ça en bruit. Voilà. Là, au moins, lui, il sait ce que tu as fait. Moi, je n'ai pas envie que, en tant que grand pasteur, puisque Honorable Gou dit que vous faites des miracles, mais je n'ai pas envie que vous échouez sur moi pour gâter votre nom. Mon fils, Digby, c'est ça? Oui, oui. OK, allez, écoute. Tu dois te confesser. Il y a des trucs dans ton cœur qui vont te donner la chaleur, peut-être, mais je sens. Ah, c'est mon cœur. C'est tout mon corps même. Donc, parle pour que le Seigneur puisse te décharger. Bon, moi, je vais peut-être te donner un exemple. Mm-hmm. Tu vois Gou, là. Mm-hmm. Ou moi, j'ai mis Gou, là. Voilà. Dans un an, tu ne vas plus entendre parler de lui. Parce que j'ai pris. Il y a une chemise, une de ces chemises qui est perdue une fois au Parlement. J'ai pris ça. J'ai enterré ça dans un. J'ai mis dans un canarie, puis j'ai enterré dans un cimetière derrière mon village. Et c'est dans 6 mois que ça va commencer à agir. Mais dis-moi, il y a. Ouais, moi-même, je suis reparti même dans le cimetière là pour voir où j'avais enterré, je ne retrouve plus. Puisqu'il y a eu de nouveaux cadavres qui sont allés enterrer. Donc, actuellement, je ne sais plus où j'ai enterré le canarie. Dis-moi, mon fils. Il ouais. Y a longtemps que tu pratiques la sorcellerie? Non, non. Après, moi-même, je ne suis pas sorcier. Voilà. C'est le petit frère de mon grand-père. Mm-hmm. Dit mon petit grand-père. Voilà. C'est lui qui est sorcier. Et c'est lui qui me donne tout ça. Tu vois? Président, par exemple, il ne peut pas me renvoyer. Il va tout faire, mais il ne peut pas. Il peut dire ça comme ça, mais sur papier, il ne peut pas. Donc, tu es le Judas du Parlement? Comment ça, le Judas? Ça veut dire que tu es le traître? Non, je conserve ma place et je cherche à évoluer. Normalement, s'il doit être premier vice-président, qu'est-ce qui doit se passer? Mais confesse-toi, on va prier pour toi. Je suis là, je vais prier pour toi. Comme j'ai prié pour Gou. Est-ce que toi-même, on ne doit pas sauver ton âme? Mais depuis le temps, tu ne comprends pas. Là où je suis allé enterrer Canary, là, moi-même, je ne le trouve plus. Et ça, là, c'est une petite partie, mais je viens de t'expliquer. Non, ce qui se passe au Parlement, non, non. Mon fils, tu es chargé. Tu es chargé. Décharge-toi. C'est le déchargement que je veux. Mais je ne sais pas si toi, tu pourras décharger. C'est ça mon problème. Non, c'est chargé, hein? Mmh. C'est chargé. Mais c'est le déchargement, là. Je cherche quelqu'un pour décharger. Mais je ne pense pas que ce soit toi. Il faut un ange. Allez, Gabriel, comme ça, ange Gabriel, il vient. Et puis, il sauve. Sinon, j'ai fait trop de mauvaises choses dans ma vie. Le président, par exemple, c'est un gros voleur, lui, vole. Non, on voit ça. De temps en temps, il me met dedans. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'être président un jour. Mais il faut qu'il passe par Charlotte Gou avant de l'atteindre. Donc, tu vois, c'est tout un processus. On ne fait pas les choses comme ça pour sauter les étapes. Mais quand c'est comme ça, tu te reconnais en tant que qui pour faire tout ça? Devant le Seigneur, tu ne crains pas le Seigneur et tu fais tout ça. J'ai dit, toi, là, tu as déjà vu le Seigneur. Ouais. Hein? C'est-à-dire, toi, tu parles de quelqu'un que tu connais même pas. Moi, j'ai dit mon oncle, mon petit grand-père. C'est lui, il fait tous mes médicaments. Il est au village là-bas. Quand j'arrive là, voilà ça, j'ai construit une maison à côté de ma maison. C'est là-bas, lui, il dort. Chaque matin, je le vois. Toi, tu as déjà vu le Seigneur? J'ai vaincu plus que ça. Le démon qui est en train de te fatiguer, j'ai vaincu plus que ça. Tu comprends? Là, tu peux être mon petit grand-père. Ce qui est en toi, uh-huh. c'est ça, je vais vaincre ça. Ah, ok. Ça, je vais vaincre ça.
n'y a pas de problème. Donc confesse-toi. Mais dis ça, il vient de faire là. De faire quoi encore? Il t'a tout dit là. Ah, ouais, ouais. Il t'a tout dit. Donc il faut faire vite, j'ai des courses à faire. Je dois aller en ville pour payer les trucs là. Donc je suis venu m'asseoir parce que les autres sont venus. Sinon, moi-même, je ne voulais pas venir. Ils savent ça. Ils savent même que je ne voulais pas venir. Donc, toi, tu dois être en retard. Oui, un peu. Hmm? Donc, ce qu'on va faire. Pourquoi tu vas rentrer? Je fais semblant de vraiment. Voilà, c'est ce que tu peux faire. C'est-à-dire, quand on sort comme ça, on a dit. Voilà. Ah, mais il est fort. Ouais. Il est fort. On va gérer ça. Mmh. Maintenant, tu as quelque chose là-bas pour moi? Oh, mais là, il faut que je monte en chambre d'abord. Mais si tu montes, quand tu vas devant, ça va qu'il y a quelque chose. Non, non, non. Tu sais comment je fais ça? D'accord. Donc, on garde le secret. Oui, la femme, ta servante, là. Mmh. Celle qui te. Mmh. Voilà, c'est elle que je vais appeler. D'accord. Voilà. OK. Hein? Mais il faut que tu me donnes ton numéro. Que tu me donnes. Ouais, prends ça et puis. Okay. Voilà. Voilà des gens qui n'ont aucun péché. Vraiment. Ouais, là, continue mais, comme ça. Oui. Moi, je dis, tous ceux qui sont passés ici, c'est le plus saint. Ah, moi, je dis, vous voyez les gens comme ça. C'est pas facile. Continue. La vie, là, les gens, tu vois les gens, ils sont en train de passer, tu crois que tu peux les pécher facilement, puis parler de Dieu comme ça facilement. Mais quelle âme faut-il sauver? Ah! Ah! Voici la question. En tout cas, vraiment, oui. Merci beaucoup. Sois béni. Oui. Hein? Vraiment, sois béni. Continue comme ça. Continue. Toi, tu peux aller loin. Parce que tu comprends les fidèles. Tu peux aller loin. Mais souvent, moi-même, là, j'ai les blagues un peu, il m'envoie l'argent. Ah, tu as vu. Voilà. Donc, moi-même, je vais me confesser si aussi. Si tu as un problème, appelle-moi. D'accord. Allez voir mon petit grand-père. D'accord. Il va vous renforcer même ta puissance. C'est qui tape là-même. Ah! Lui-même, en tant que fidèle de sa sœur, il est net, tu sais son problème. Yeah. Mais on va gérer ça. Allez. Tu as vu, mais tout le monde. Monseigneur Adigwe. Ben, c'est le secret de la confession. Hein. Moi, je ne comprends pas. On doit payer encore pourquoi, là? Je pensais que c'était gratuit, le culte, là, et puis la confession. Non, l'œuvre de Dieu n'est jamais gratuite. Et puis, on ne paye pas. Ce sont des dons. Oui, c'est offert à Dieu. Ouais. Ce n'est pas l'argent de papa, ce n'est pas papa qui met ça dans sa poche. Il achemine ça directement sur Dieu. D'accord, mais il fallait dire ça. Bon, il n'y a pas de problème. Hein, non. Mais attends, mais du coup, où-même? Donnez. Oui, je suis là. Voilà. Mais il est où? Qui? Ah, il pensait qu'il était ici. C'est pas ici. Qui ça, papa? Oui. Non, c'est pas papa. Papa, il doit pas être ici. Mais papa, attends, pour le voir là, lui là, c'est pas facile. Hein? Si vous avez eu la chance de le croiser là. Qui va prendre l'argent? Une seule fois. Il est dans la maison. Oui, mais... Il n'est pas encore parti. On veut le voir avant qu'il parte. Non, remettez-moi les enveloppes. Moi, je lui donne. Et lui, il achemine ça directement sur Dieu. D'accord, mais après, il va exaucer tous nos vœux. Oui. Ma villa en bord de mer et tout. Exactement. Et puis c'est fini. Moi, je te donne, il n'y a pas de problème. Non, en fait, après ça, là, c'est rien. C'est l'ouverture. C'est comme quelqu'un qui ouvre son compte. Ça, c'est le droit d'inscription. Quoi? Après, il faut refaire d'autres dons encore. Ça, là. Oui. Ça, là. Oui. C'est un premier dépôt. Quand compris. Vous déposez cet argent-là, oui. On dépose ça sur Dieu pour dire « Ah, voilà tes nouveaux enfants qui sont là. » Ok. C'est bien. Ok, et puis après. Donc comme ça, il vous donne directement, automatiquement, un numéro de matricule. Et maintenant, puis... le reste, après maintenant, oui. Chaque fin de mois, vous déposez ce qu'on appelle la dîme. Vos revenus mensuels, là, vous donnez 40% de vos revenus mensuels. Nos salaires, là. Hein? Tu le vois? 40% de nos revenus mensuels. Oui. Est-ce que tu t'entends? Connu ou inconnu? Non. Caché ou... À qui? Bon, vous déposez ça sur un compte. Quel compte? Le compte que tu as nous donné là, on dépose voilà, ça dessus. Le numéro de compte, moi, mon numéro de compte là. Oui. Vous déposez ça dessus. Moi, j'envoie ça à papa, sur le compte de papa, qui lui, vire ça directement sur le compte de Dieu. Attends. Donc, ton papa là, lui, connaît le compte de Dieu. Oui. Oui, c'est lui qui a le compte de Dieu. Moi, je n'ai pas le compte de Dieu. Nous, nos 40% vont être prélevés chaque mois. Voilà. Pour être mis sur ton sous compte. Sur moi, mon compte.
et Dieu, j'envoie sur le compte de papa qui achemine sur le compte de Dieu. Oui, mais le problème, c'est que comme il est déjà là, oui, on va lui demander lui son compte directement. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Non, toi aussi, pourquoi tu veux compliquer les intermédiaires? On fait le virement direct sur le compte de Dieu. Non. Si. Là, tu as le numéro du compte de Dieu. À chaque fois, il y a des frais. Là, il n'y a plus de frais, c'est direct. Non, quand il s'agit de Dieu, il n'y a plus de frais. Go. Moi, de mon compte, je vais même donner 50% de mes revenus mensuels officiels et cachés. Voilà. Mais directement, je vire ça sur le compte de Dieu. Non, c'est pas comme si, ça. Même je vais aller faire des dépôts sur le compte de Dieu. Non, attends, espèce d'escroc. Tu nous as amenés ici pour nous dépouiller. Les quelques jours qu'on passe chez toi, on va payer le loyer. Président, moi, je pars d'ici. C'est toi qui t'as lancé tout à l'heure, non? Regarde-moi un escroc comme ça. Attends, donnez-moi. On va mettre ça sur le compte de Dieu. Donnez déjà les enveloppes que vous avez. C'est parti. Il est où? Hein? Il est où? Qui? Ton papa, là. Papa? Oui. Papa, il est dans le couloir, là. Attends. Moi, donne ton enveloppe, là. Je vais donner à papa. Non, je vais lui donner. Non! Mais attends. Je vais lui donner. Hey! Pourquoi j'ai parlé de mon compte? L'homme, même, c'est sa propre bouche qui le tue, hein. Dis-moi! Là-bas. Boukari. C'est moi. Mais ouvre là, ouvre Boukari. Je viens de rentrer. Pardon, Boukari. Comment est-ce qu'on peut faire ça la deux? Pardon, j'ai un besoin pressé. Pardon. Mais je ne commence à aider. Pardon, Boukari, ouvre. Je viens de rentrer. Ah, quand c'est comme ça, j'ai honte. Pardon. Boukari. Boukari, tu es là-haut sur moi. Boukari. Je vais tirer. Hein. Je vais tirer 10 plombs tout sur la porte que tu vas voir. Ouvre la porte! Ouvre! C'est quoi ça? Si tu me pousses encore pour le seulement comme ça, tu vas regretter ton vie. Tu vas t'en avenir douter là. C'est pas même celui-là que tu m'as fait ici là. Quand tu as pu même, je rentre en même temps, il sort. Regarde comment tu as tapé dans mon dos. Il faut faire vite à sortir. Même si on est ton cousin. Je ne peux rien faire ici. Il est parti. Dès qu'il est là sur le bas, tu as venu taper couille. Tu as mis tiré à côté de BC. Tu n'as pas. Le seul parlement où on vous parle, où on vous manque, c'est vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Tico Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, ce parlement est le parlement du peuple. Le peuple qui peut venir directement ici prendre la parole. Le peuple qui peut nous poser des questions pour intervenir dans nos débats, pour influer nos débats, pour nos propositions de loi, grâce à cet écran, mesdames et messieurs, qu'on appelle la caméra du peuple. Bonjour, monsieur le président. Nous venons du village. Vous voyez les femmes qui sont derrière moi là. Nous venons du village. Nous sommes vraiment fatigués. Je dis bien fatigués. Les hommes nous fatiguent. Les hommes nous harcèlent. Nous sommes venus vous voir, monsieur le président. Faites quelque chose. Vous là, Gou, Digbe, vous les parlements du riz là, qui restent là sur vos chaises. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous les femmes en détresse du Gondwana? Ah, bravo ma soeur. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Tu peux compter sur nous ici. On va voter une loi contre le harcèlement et les agressions que nous subissons continuellement. Tu vas voter ça où? Et avec qui? Mais comment ça? Je vais voter ça ici, dans ce parlement du peuple. Parce que toi, la petite fille, là, tu crois que
Quand le président a dit parlement du peuple, là, tu crois que c'est pour ta famille? Hein? C'est pas pour ta famille. Tu me dis quoi ça? Tu vas te lever pour dire, ouais, on va voter une loi, on va voter une loi. Voilà, on ne vote pas ça ici. Tu ne vas rien voter ici, c'est moi qui te dis ça. C'est toi. Mais si tu n'es pas d'accord, va te plaindre où tu veux. C'est pas toi qui décides ici. Moi? Non, c'est pas toi qui décides ici. Ça veut dire quoi ça? C'est un parlement, on a donné la parole aux citoyennes de ce pays qui ont soulevé un problème important. Et nous allons nous y attaquer sérieusement. Merci, Président. Je t'en Heureusement prie, que tu es là. Je serai toujours là, Charlotte. Président, sous prétexte de la démocratie, on ne va quand même pas se laisser influencer par une petite fille qui veut nous embobiner. Hein? Quand même, il faut qu'on se respecte. Tu parles de qui, là? Hein? Elle ne va pas continuer de vouloir régler ses problèmes à travers nous. Mais attends, toi, tu parles même de qui? C'est de moi que tu parles? Quand on parle d'ici, là, de qui on peut parler comme ça? Tu racontes quoi même? Je suis en train de la... Mais tu as quel problème, Charlotte? Dès qu'on parle, en même temps, tu es là... Je parle de la femme qui est dans la vidéo, là. Ah! Oh! C'est quoi même? Ok. À peine on parle net, tu crois que tu es la seule femme dans le monde? D'accord. Honora Dugoué, la femme dans la vidéo, là, elle raconte quoi? Elle raconte sa vie. Ces femmes-là, on les connaît. C'est la SS Marie, c'est tout. On les connaît. Mais... C'est ça. Toi, Goula, si c'était ta sœur ou ta femme, tu allais bavarder ici, là, on allait même pas... C'est-à-dire, comme c'est les autres, tu t'en fous. C'est ça. Mais quelqu'un n'a qu'à essayer. Attends. Go. Attends. Charlotte, ça dit que c'est vrai, on peut gâter les noms des hommes. Mais quand il y a la femme, de toute façon, elle est vilaine. Qui va l'agresser? Non. Qui va la harceler? On aura dit que ça, c'est pas un problème. Moi, ce qu'elle vient de dire là, je rebondis dessus pour dire que quelqu'un n'a qu'à essayer d'agresser un membre de ma famille. Mais je vais démonter ma choix là. Ça dit, j'ai fini à la personne. Ça dit que. Son cadavre va se reposer au fond de l'eau, à côté du cadavre de Ben Laden. Tu te rappelles du gars qui a insulté ma femme là, la dernière fois? Oui. Le chirurgien m'a appelé pour demander, Honorable Dugoué, mais où tu as fait tes études de chirurgie? Non, tu l'as trop démonté. Non, tu ne t'es pas amusé avec lui, hein? Non, je l'ai recousu. Voilà la Dugoué! Non, t'es trop top. Quand c'est votre famille qui subit des harcèlements, ça vous choque. Mais les autres, vous vous en moquez. Et puis après. Un peu de calme. Charlotte a raison. Vous êtes vraiment de véritables égoïstes. Les autres, vous vous en moquez. Hein? C'est ça. Mais quand est-ce que vous allez changer? Jamais. C'est nous, on t'a dit qu'on veut changer. Non, mais en fait, si c'est pour rendre service à des femmes qui n'ont pas de mari qui traîne à Abidjan. Allez au village! Oui. Allez au village! Il y a des agriculteurs et des planteurs qui cherchent des femmes. Vous venez, vous remplissez la capitale. Ça veut dire quoi? Non, il faut la chicoter. Il faut chicoter la femme. Charlotte, c'est tout. Président. Charlotte, ne t'en fais pas. On va s'occuper de la situation des femmes. C'est moi qui te le dis, moi le président. Très Mesdames bien, président. Et messieurs, et la preuve, nous allons recevoir là, tout de suite, une femme, une honorable parlementaire qui nous vient d'Abidjan, vous la connaissez, c'est la gros cracra du Djassa Nash, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes en PIM? Ben moi, tous les redogbots sont sortis, les morons sont fond des hey! D'accord, yeah! En tout cas, voilà. Viens m'en rendre grosse. Non, baisse. Ouais, vieux loup. Non, faut mettre dans leur tolo là. Comment? D'accord. Y'a pas de grave. Dans le mouvement, c'est quoi? Le jabaro que vous là, on dit. Je suis venu comment des morts, des dabassés de Gomi là. Les morts qui sont japakabli, qui sont gangansi, les mousseaux, à qui ont laissé les frères ça, qui ont les tasses comme eux, et puis ils mettent les baguets, les gnons dans les reggae. Hey! Hey!
Non, non, Gola a fini à ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est venue parler des hommes qui n'ont aucun respect pour les femmes. Les quand ils prennent une femme, ils commencent à frapper comme si c'était un sac de makiwara. C'est de ça qu'elle est venue parler. Pense! Ouais, viens, loup. Fokouma. Viens, mon gros. Voilà. Dans le Wewe, c'est un mort carré. Lui, à chaque carré, les fois, les nyara sont mousseaux. Hey. Voilà, petit Djabaro, petit discours, quand il a délu, on voit les nions sur lui. Donc, voilà, donc dans ça, il y a un pressant, il y a un adibaté qui déboîtait dans le secteur. Quand il a vu le Wewe, il est venu, il dit, ah, il va prendre radar et ça. Il a dit à Moro, ah, faut blémou, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on ne dira pas mousseau, c'est pas même fanga, tout ça là. Le Moro dit, c'est bloc, que Moro, il faut aller ton maudit là. Ouais. Hey, donc, il dit, ah, c'est moi, de la sagba, lui, jeter lui dans un vovo là-bas. Oh, pèse! Pense. Oh, pense. Ah, pense. Eh, Pena, elle dit que le monsieur là, il s'est mis à taper sa femme. Mais un monsieur qui passait, qui a vu l'action, il dit non, il faut que je sépare. Quand il allait se séparer, il dit non, attends, tu ne peux pas frapper une femme comme ça. Quand il s'approchait, le monsieur là, il a laissé la femme et il a pris le monsieur. Il a jeté dans un caniveau. Voilà. Le bon monsieur est tombé dans un caniveau. Pense. Ouais, viens. Walco. Voilà. Dans le mouvement, c'est quoi? Donc, quand il a fatia dans le Volvo, il s'est débien. Puis il a crié, tchat, t'as pas ça la marata. Il dit, tchat, mais où m'a quitté? Ah, comment qu'il vient sur Djabaro? Ton babo là, moi, même pas pour mon pays frère, la fangant que toi, elle arrive. Pense. Ouais, viens. Faut me local. Ouais, mais bien. Elle dit, quand le gars a jeté, monsieur, il est tombé dans un caniveau, il dit non, ça c'est un défi. Moi, on ne me jette pas dans un caniveau comme ça. Reste là, je vais appeler mon petit frère. Lui, il est le grand frère, mais il est petit. Ouais. Donc, le grand frère, le petit frère qui va venir là, c'est la suite, on va voir. Pense! Ouais, viens! En avant! Ah, vas-y, frère, toi. Dans le mouvement, voilà, c'est que quand il allait téléguider son tepero, tu vois, on l'a appelé renfort. Donc, renfort, il venait le Kobo, la Chaote, en tout cas, tout le Gbenzin. Eh bien, c'est gâté. Voilà, donc tout le grain, Gbedia. Donc, ils ont sinon, c'est là pour moi, comment qu'ils ont vu, qu'ils ont vu la nonanté, le béfré Azier, grand la nonanté, là, non. Le béfré veut reculer. Il veut reculer. Eh bien. Il veut reculer. Le grand dit, eh, béfré, sans verser mon écran à terre, il faut laisser ça. Voilà le moment, il faut voler qu'il sait que tu es un guerrier. Et puis voilà, tu sais pas, nègre. Voilà, ça paye, il faut montrer couleur. Viens, comment? Hé! Hé, viens, moi! Elle dit. Donc, le monsieur, il allait appeler son petit frère. Ouais. Le monsieur, il vient de Gaïa comme ça. Pas... Mais avant de venir, il a alerté tout le quartier général. Voilà. Donc, c'est tout un peuple qui s'est déplacé pour venir voir ce qui se passe. Pour venir venger le monsieur. Ouais. Et ils arrivent. Il trouve une armoire. Dans le Djabaro, là, c'est que le vieux m'a avait commencé. C'est que le Wewe, c'est que le Mo a regardé l'écran du pays frère. Puis la main, bon, dans poteau. Poteau, la fatia. Eh! Yeah! Eh! 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 Yeah! Yeah! Eh! Eh! Yeah! Non! Ça, c'était dans moi avant. Ouais. Donc, quand le quartier général est venu, le défenseur qui est venu prendre la défense de son petit frère, son grand frère, il se retrouve face à face à elle, le monsieur. Ah non, non, t'es mort. Ah non. Ouais. Il dit, c'est toi qui as frappé mon grand frère, ouais, mon petit frère. Ouais. Le temps que le monsieur réalise, celui qui l'est venu frapper, il regarde un poteau électrique, coup de tête, tata, gars. Le poteau s'est tordu en trois. Voilà. C'est ça. Non, viens, moi, tiens 10. Non. Faut qu'on m'a. Dans le moment, quand le petit frère a vu que le mort a bolo le poteau, il y a, c'est pas un nyaga, il n'a pas continué. Ah non. Donc, lui, il a regardé à Godani. Il est Godani. Yeah. C'est que toi, tu m'as commencé, c'est lui qui n'est pas en drap, c'est lui qui n'est pas en drap. Non, c'est qu'il est déjà. Mon grandeau, là, c'est mon sort. Yeah. Il m'a pas parlé que moi, là, lui, moi, déjà l'homme. Yeah. Donc, viens. Moi, tu regardes. Toi, tu as dit, on a qu'à s'engager. Yeah. Que des s'engager comme on engager. Quand toi, tu as engager de nous. Dans le moment, moi, il y a un vieux, moi, je suis pasteur. Yeah. Et il a dit que. Quand le monsieur qui est venu prendre la défense de son frère a vu que le monsieur a pas trace, c'est-à-dire qu'il a détruit le poteau électrique avec un coup de tête, il s'est dit, ah, mon frère là, il est contre moi. Il est venu m'appeler, mais il n'a pas dit que devant moi, je vais trouver la mort. Il n'a pas décrit celui qui est devant moi. Et donc, il s'adresse au monsieur. Il dit, ah, mon frère, où moi je suis là? C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est le Goro Godani. Je suis pasteur. Dieu a dit,
de prôner la paix, c'est l'unité, sûr. Le oui. vivre ensemble, la tolérance. Oh, viens hey, yeah oui. Voilà, donc c'est le way qu'elle a, dans la nonnoté a dit, il dit que comme toi tu es pasteur, il faut venir t'appeler Dilson, il t'a envoyé chez Godani là-bas. Ah. Donc il a tolo la maman et puis c'est Jensen dans l'allée. Donc tu vois un peu sur le mouvement. Mais en tout cas, moi, le mouvement, c'est qu'il faut que mon moral là, qu'ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à voter loi là, sinon ils vont prendre quelque chose. Dieu, mais faut leur parler quand on a. Non, faut jouer le piano. Il a dit. Faut jouer le piano. Vous devez voter loi là ou vous devez pas voter loi. Vous devez voter loi là. On va voter. Assieds-toi. Vice-président numéro un du Parlement. Tu n'as pas honte? Assieds-toi. En fait, tu as menti sur ton CV. Tu étais voyou avant. Mesdames et messieurs, nous revenons dans cette séance du Parlement. Charlotte, chose promise, chose due. Tu as la parole. Président, dans le monde entier... Comme on l'a remarqué, les femmes ne se cantonnent plus au silence. Au contraire, elles prennent la parole. Et grâce à des femmes connues à Hollywood, au Festival de Cannes, les femmes lambda obtiennent justice aujourd'hui. Donc je propose qu'au Gondwana, on s'inspire de ce qui s'est passé à l'étranger, où les femmes ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Ah, honorable Charlotte, excuse-moi de t'interrompre, hein, mais si je comprends bien, tu proposes que désormais, si une femme est agressée, au lieu d'aller au commissariat, elle n'a qu'à aller directement sur les réseaux sociaux, c'est ça? Non, c'est pas mais ça. Mais c'est ce que tu as dit. Non, mais c'est pas ce que déformer, je suis en train de dire. Écoute, toi-même, tu sais que quand les femmes vont au commissariat, on ne les écoute pas. Hein? On ne les écoute pas, on ne fait pas attention à ce qu'elles disent. Quelquefois, on les accuse même d'être consentantes. Hein? Ouais. C'est pour cela que je propose qu'elles fassent les deux, qu'elles aillent aussi sur les réseaux sociaux. Ah, donc, ça veut dire que ma cousine Thérèse qui est au village, là, si elle se fait agresser par un villageois, comme il n'y a pas de commissariat dans mon village, elle n'a qu'à aller dire ça sur Twitter. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Bon, Charlotte, ils n'ont pas tout à fait tort, hein, parce que tu sais très bien comment ça se passe au village. Au village, les gens n'aiment pas Facebook, ils n'aiment pas Twitter. Comme tout le monde se connaît là-bas, si tu poses un mauvais commentaire sur la vidéo de quelqu'un, il va t'envoyer un sorcier. Hein? Président, mais vous n'allez pas me dire que ce qui a marché dans le monde entier ne marchera pas au Gondwana. Hein? Il suffit de s'inspirer des hashtags qui ont libéré la parole des femmes, comme hashtag MeToo ou hashtag Balance ton porc. Je suis d'accord. Voilà. C'est quoi ça? Mais c'est grâce à ça que les femmes ont pu parler de ce qui leur arrivait. Les viols, les agressions, etc. Et beaucoup d'agresseurs ont été attrapés grâce à ce hashtag-là. Hein? HCC. Quoi? Charlotte! Attends, c'est la drogue que tu veux amener ici. Non, tu ne vas pas me dire qu'elle veut parler de hashish. Hashish, quoi? Mais Gohou, tu es bête. Non. C'est pas hashish, c'est hashtag. C'est la même chose. Non. C'est le signe dièse qui marque un mot sur Internet. Dièse. Hashtag balance ton porc, là. En fait, c'est les hommes qui sont vos porcs. C'est une image. Charlotte, dans quel secte tu es entré, là? Charlotte, nous sommes dans un pays musulman. Donc, ici, là, il faut transformer ça en hashtag balance ton mouton. Oui, oui. Bon, ou bien quand tu vas au centre, hashtag balance ton agouti. Ah oh. Vous n'avez aucune dignité, vraiment. Vous me faites honte, Charlotte, ne t'inquiète pas. Charlotte. Président. Tu as mon soutien, toi et toutes les femmes de ce pays. Merci, vous avez président. Mon soutien. Nous allons revenir sur cette loi, Charlotte. Merci. En attendant, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, il vient du Congo, Brazzaville. Faites un énorme accueil à Fortuné Bateza.
Bonsoir. Moi, il y a deux catégories de personnes que je respecte beaucoup. Les pasteurs et les prostituées. Les gens pensent qu'ils ne s'assemblent pas, mais les deux se ressemblent. Hein, oui, pasteur commence par P, finit par R. Prostituée commence par P, R. Le pasteur, il a des fidèles, la prostituée aussi, elle a des fidèles. Hein. Les deux travaillent à l'hôtel. Pasteur travaille sur un hôtel, la prostituée travaille dans un hôtel. Le pasteur, il demande l'argent, la prostituée aussi demande l'argent. Le pasteur demande l'argent avant la bénédiction, la prostituée demande l'argent avant la malédiction. Le pasteur s'habille bien, tout complet pour bien travailler. La prostituée se déshabille complètement pour bien travailler. Et les deux, ils partent du ciel. Le pasteur prépare les fidèles pour aller au ciel. La prostituée, elle vous amène déjà au ciel, jusqu'au septième niveau. Ah oui. Et le pasteur, il prêche, la prostituée pêche. Mais parfois, les deux pêchent. Le pasteur, il pêche les païens pour qu'ils deviennent des fidèles chrétiens. La prostituée, elle pêche avec les païens pour qu'ils deviennent des fidèles clients. Et parfois, mesdames, messieurs, la prostituée pêche avec les chrétiens pour qu'ils deviennent des fidèles crétins. Oui. Et même si les heures de travail ne sont pas les mêmes, les deux finissent par se rencontrer. Même si le pasteur travaille le jour, la prostituée travaille la nuit, ils finissent par se tac, parce que le jour, c'est la prostituée qui va vers le pasteur pour l'onction. Et la nuit, c'est le pasteur qui va vers la prostituée pour la conclusion. Et quand on a fini chez le pasteur, on dit « Amen ». Quand on a fini chez la prostituée, on dit « À demain ». Fortuné Patézard. Président. Oui, Charlotte. Tu fais vraiment l'honneur de ce Parlement. Ton soutien nous va droit au cœur, nous les femmes du Gondwana. Merci, Charlotte. Vous pouvez compter sur moi. Je mettrai tous les moyens de ce Parlement pour la défense des femmes. Merci, Président. On aura tout vu dans ce Parlement-là. C'est Kaïma qui veut aider Antilope. Vous deux, là, si vous êtes... Si vous avez des cœurs insensibles, des cœurs de pierre, pardon, restez dans votre coin et laissez-nous agir pour la défense des femmes. Charlotte, laisse-les cancaner. La bave de l'escargot ne pourra jamais freiner la course du cheval. Tout à fait. Attends, président, c'est qui est escargot là? Si tu es garçon, répète encore ce mot-là, tu vas voir ce que je vais te faire. En fait, nous avons tous connu Jean-Michel Cancan, donc c'est pour cancaner. Tout le monde cancane. Mais peut-être que la bave de l'escargot n'a pas pu freiner la course du cheval. Hein. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que ça a laissé des traces sur ton joli costume-là. C'est-à-dire que tu peux mentir comme tu veux, mens comme tu veux. Président, de toi à nous, voilà Digbé qui est assis là, oui. Comme témoin oculaire. Oui. Président, on connaît ton casier judiciaire. Moi, vous me connaissez où? J'ai dit, on connaît ton vous casier judiciaire. Vous me connaissez où? D'accord. Le chien aboie, la caravane passe. Président. Oui. La caravane n'a pas passé? Oui. Je m'appelle Digbé, il s'appelle Gou, c'est nous. Charlotte, ne t'inquiète pas. Non, Président, je suis pas... Le chamiol, l'avion décolle. Tout à fait, Président. L'avion décolle? Oui. Souvent, on a vu des avions tomber, hein? D'accord, OK. Alors, cher honorable Gou. Oui, honorable Digbé. Est-ce que tu te rappelles d'une certaine Fanta qui était ici même au secrétariat? D'un certain président qui est perché là-haut. Honorable Digbé, oui. Comment puis-je oublier cette beauté qui remplissait cette salle de joie? Alors, cette beauté qui remplissait cette salle de joie,
n'a-t-elle pas été harcelée ici même? Elle n'a pas été menacée de renvoi si elle ne dînait pas avec un certain président? Le mouton belle, la tabaski arrive quand même. Honorable Dubé. Oui. Est-ce que tu te souviens de la pression que celui perché mettait sur la belle Fanta? Bien sûr. Ah bon? Pour l'inviter à dîner. La chèvre à bois, le... Président. Président, c'est vrai? On n'avait pas encore fini, la chèvre a commencé à aboyer. La chèvre à bois. Non. Président. Non, on aura quand même. Non. Non. Et vous là, ça va. C'est pas possible. Ça va, l'avion est tombé. C'est l'avion bon. Est tombé. Oui, l'avion est tombé. Non, mais vous êtes tous des porcs. Oh. C'est toi qui es notre propriétaire. Tout ça là, c'est toi. Tu as une petite fille qu'on va s'arrêter pour dire, vous êtes tous des porcs. C'est toi qui es notre propriétaire. Le port brait, la caravane passe. Tu es dedans encore? Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement en accueillant d'honorables parlementaires. C'est la première fois qu'ils viennent ici, nous les soutenons. Ils viennent de Centrafrique. Levez-vous et faites un accueil mémorable, mesdames et messieurs, les perroquets de Bangui. Compagnons ! Ah oui, compagnons ! Qu'est-ce qu'il y en a de... Toi aussi. Toi aussi. Faut laisser tomber la gratte là. Ah oui, ça tu as raison. Oui. La madame, elle est dehors à la maison. Et nous on est dehors. Pourquoi? Alors, voilà. Et à cause de 18 000 francs. Hein, 18 000 francs. 18 000 francs de mon nez, de mon cul. Voilà. Hey. D'abord, si c'est comme ça là, oui. On va les tourner cultiver la terre. Comme ça, chaque année, on a notre champ et chaque année, notre argent. D'abord, écoutez ça. Dans mon pays, je labourais la terre. Dans mon pays, je gardais les troupeaux. Et maintenant, je suis un militaire. Là, je n'ai rien pour un soldat français. Attela, vous n'y passerez pas. Attela. Voilà. Voilà. Certificat médical de la guerre, nous, on a. Attestation de vote de la guerre, nous, on a. Voilà. Comment ça? Alors, on est des anciens combattants. Hein. On est payé par l'armée française. Hein. L'argent là, c'est nous. Hein. Voilà. Comment c'est? Oui. Quand il y a l'argent, il y a la bière. Et quand il y a la bière, il y a les femmes. Oui, compagnon. Oh. On va chercher les mafies qui ont encore les mamelles. Alléluia. Pas les mamelles. Amen. Ah oui. Dans l'armée, il faut avoir une bonne moralité pour une bonne leçon de morale. Toi aussi, compagnon, leçon de morale là, toi et moi, on a appris moi, ça depuis la formation. Moi, je suis pas compagnon, chef. Toi. Je suis chef. On a appris ça depuis la formation. Quelle leçon de morale? Leçon de morale numéro 1. Ah. Leçon de morale numéro 1. Avant de traverser la route, faut pas regarder de gauche à droite, il faut traverser. Leçon de morale numéro 2. Le matin, faut pas laver la bouche avant d'aller dire bonjour à ton voisin. Il faut lui faire ha ha. Comme ça, le voisin connaît le bien de ta bouche. Hé, hey, compagnon. Oui. J'ai une idée dans la cervelle. Oui. Il faut en créer une barrière ici. Et laisser tomber la garde, non? La garde. D'abord, un militaire ne prend pas garde chez un civil. Lui-même, il va chercher une sentinelle pour voilà. Lui. Voilà. D'abord, la garde, c'est ici. Ouais, la garde, c'est tu ici. Tu te suivais de la chanson, là, non? Toi aussi, quelle chanson? Oh, un deux soldats sur le pont d'Henri IV. Pendant la nuit, montez en fascinant. Voyons venir, venu de militaires. Parmi lesquels, le général de Gaulle, qui vivait là, cria la sentinelle. Qui vivait là. Les perroquets de Bangui, mesdames et messieurs. Président. Oui, vice-président numéro 3. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Yedio, tu cherchais à faire quoi quand tu mentais à Charlotte là? Honorable Dubé,
je te croyais intelligent. Hein. Mais, vraiment, tu es bête, hein? C'est ça. Tu sais pas que le président, il cherche à se faire inviter à la fête des femmes? Non. Mais c'est ça! Ah! Président! Non, mais tu es fort. Mais attends. On n'avait pas compris ça. Mais c'est Go qui a gâté. Non, c'est vous comment? Deux qui avez gâté. Ah non? On dit le renard entre dans le poulailler. Mais quand il entre là, il laisse la porte ouverte. Les deux autres renards allaient entrer. Vous avez tout gâté. Ouais, mais... Oui, c'est vrai, mais président. Mais quand elle nous dit ça, toi aussi, tu es rentré, le renard est rentré, il a rabattu. C'est ça? Non, c'est Dubé. C'est Dubé qui a fait. Le renard est entré où? Le renard est entré où? Le renard. Vous trois, là, je viens de passer un quart d'heure avec la première dame. C'est bien? Comment ça, c'est bien? Oui. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Vous êtes sans ignorer que la condition de la femme est très importante pour elle. Oui. Ah, attends, c'est le sujet là que tu as envoyé là-bas. Oui. Je lui ai tout dit des lois que nous allons voter ici pour améliorer la condition de la femme. Mais on n'a rien voté encore. Mais non, le président a raison. On va voter, mais on n'a rien voté encore. Président, on ne votera rien ici. Non, non, ça, non. Je le répète. J'ai dit, on ne vote rien ici. On va voter. On ne vote pas. Il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler comme ça. Toi-même, tu vas lui dire. Attends, je compose le numéro. Ah, non. Tu non, vas non, lui non, dire ça toi-même. Non, pas non, non. Il ne parle pas dans le téléphone déjà. Non, il faut lui dire. Non. Il faut lui dire. Moi, je ne parle pas dans le téléphone déjà. Mais elle n'a même pas honte. Charlotte, on va tout voter. Ah bon, hein? Tout ce que tu veux pour les femmes. Moi, je le disais, hein? Okay. Pour les femmes, avec les femmes, contre les femmes. Et on va améliorer leur salaire. Elles auront les mêmes salaires que les hommes. Non. Oui, les mêmes salaires que les hommes. Ouais, avec tes trucs là, les cannabis, les Hashtag. Hein? Hashtag. Voilà, tag. Ouais. C'est ça. Oui? Avec les balances ton porc là. Non. Oui, c'est ça, exactement. Balance ton porc. On va tout voter. On va voter tout. Tu peux dire à la première dame, tu peux dire à son mari aussi, on va tout voter pour la condition des femmes dans ce pays, mesdames et messieurs. Voilà. Oh, toi, laisse-moi passer. Tu veux quoi même? Tu veux quoi finalement? Laisse-la passer. Laisse-la passer. Mais là, tu veux l'embrouiller pourquoi? Mais on n'est pas encore le 8 mars. Ah! Tu veux que j'appelle la première dame? Oh, non, assieds-toi, viens t'asseoir. Viens ta bouche là. La princesse. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire. Vous le connaissez, il vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, il s'appelle tout simplement Boukari. Merci, voilà. J'ai une grosse surprise pour vous. Les gens pensent qu'il est mouru, Il n'est même pas mouru. Il est là. Morocco Junction. Non, c'est vrai. Morocco Junction, il est là. Dès où là, j'ai fait mon tournée là. C'est là que j'ai lié à vie. J'ai fait un effort de paix sur moi-même. Et puis on est venu à Sam Obiga. Si vous croyez que c'est mal, tu sais quand tu quittes en Europe, tu quittes aux États-Unis, Chine, Japon, l'Allemagne là, et puis tu dis que je viens à l'Afrique. Quand tu dis je viens à l'Afrique, les gens pensent que tu seras pour mourir. Donc quand il a dit, Marco Johnson, il a dit que je vais en Afrique, on a décrété qu'il est mort. Ils ont fait son fond de rage, tout, il est mouru. Oh, Marco Johnson n'a pas mouru, c'est là. Et comme on parle de Marco Johnson, il est là. Marcon! Marcon, come here! Come. Marcon! Yeah. I am là. Vous avez vu? Regarde, il est en Afrique, t'as vu? Il a pris son teint d'origine. Regarde, tellement, regarde, il a même son gars devenu noir. Oh yeah! Manu, donne son musique là, il n'a pas de temps! Oh! Adama! C'était pour leur montrer que j'ai dit vrai! Marcon, yeah!
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oye. Merci. Quoi? Tu veux l'argent? Toi, on t'a déclaré là-bas, tu es mort. Nous, on a tenté tout faire ici pour te montrer aux gens. Toi, tu vas demander l'argent. J'ai dit, hey, chez nous en Afrique ici, là, quand tu viens faire concert, on ne paye pas caché. Chez nous ici, là, c'est transport, on donne. Voilà. Et non seulement tu es un artiste en herbe. Attends d'abord même. Toi-même, c'est toi qui dois payer pour passer ici. Tiens ton transport. Quoi? Hé, tu veux mourir vrai? Qu'est-ce ici? Regarde, moi-même, je lui ai donné mon transport. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. On avait Nash, la gros caca du Jazz Fortuné, les perroquets de Bangui, Boukari, Mamadou Jackson. C'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, il y avait les membres du bureau exécutif, Digbeu Cravate, Charlotte Itamak, Michel Gohou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches. Donc, dimanche prochain. Et si vous avez raté, dimanche prochain encore, mais sinon c'est très facile, vous téléchargez l'application MyCanal et là vous pouvez tout regarder, toutes les émissions. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons entamer cette session du Parlement. La parole est au vice-président numéro 1, Gohou. Tu as la parole. En ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, je voudrais faire une proposition de loi que désormais, tous ceux qui vont tomber en transe dans ce pays doivent déposer un courrier au commissariat le plus proche pour préciser quand leur transe aura lieu. À quelle heure ça aura lieu? Celui qui ne remplit pas ces conditions directement 6 ans de prison ferme. C'est noté, honorable Gohou. Président, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'honorable Gohou. Hein? Comment est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? On ne tombe pas en transe sur commande. Ah non. Des fois, je me demande si tu es réellement allé à l'école. Attends, hé, toi là, je te dis, hein, pour ta gouvernance là. On dit pour ta gouverne. Ouais, c'est la même chose. C'est toi qui m'as mis à l'école. Toi, tu allais à l'école plus que moi. Moi, quand je partais à l'école, là, ton papa et ta maman, ils portaient couche encore. Non, mais ça m'a pas parlé comme ça. Ça va pas chez toi. Président, moi, je propose plutôt une loi qui condamne tous les fonctionnaires qui ne viennent pas à l'heure au travail. Regardez-moi ça, toujours au sujet. Toujours. Un peu de respect. Président. Oui. Ces gens-là ont trop divisé les familles, ceux qui tombent en transe. Et ça, il faut qu'on trouve une solution. Par exemple, hier, j'étais à des funérailles. N'eût été ma vigilance, mais ce qui allait se passer là-bas, là, ça allait être un carnage. Parce que les enfants du défunt étaient en train de soupçonner leur belle-mère maternelle de sorcellerie, que c'est elle qui a tué leur papa. C'est là que mon voisin de droite trouve le moyen de faire comme s'il va tomber en transe. Je lui ai dit, toi là, si tu fais un petit bruit ici, parce que je vais te frapper, tu ne vas même pas te reconnaître. Et c'est là qu'il s'est levé tranquillement pour aller à la maison. Transe est fini. Mais tu as raison, honorable Digbe. Moi, l'autre fois, j'étais parti soutenir un ami. À peine j'ai garé ma voiture, qu'est-ce que je vois? 14 personnes en transe. Qui est? J'ai dit, hé! Hey, le gars là, il avait 14 esprits ou quoi? Attendez. Président, oui. Cette histoire de transe là, c'est sérieux. Hein? Parce que si on ne fait pas attention, c'est président fondateur même qui va tomber en transe ici. Non. Je vous dis, hein? Non. C'est bien pour ça qu'on est payé et d'accord. Qu'on va revenir sur ce dossier très sensible. Alors, notre Parlement, mesdames et messieurs, va accueillir 2 honorables parlementaires. Ils ne sont pas en transe, ils s'aiment, c'est un couple, c'est un duo. Ils nous viennent du Cameroun, réservé un accueil mémorable. Mesdames et messieurs, Edoudou Anonglacé et Zakougla. Eh,
Ça va. Ah, le Gondouane, ça va? Ah, je vois, ça va très bien. Vous savez, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver devant vous. Mais de mon côté, ça ne va pas. Ne voyez pas le ventre ici. C'est des problèmes emmagasinés. Et tout aussi, c'est à cause de celle que j'ai chez moi. Qu'est-ce qui m'a même envoyé? La beauté physique, elle n'en a pas. Les moyens, elle n'en a pas. Même les formes qu'on reconnaît une belle femme, elle n'en a pas. Pour savoir de quel genre de femme il s'agit, qui a déjà vu la bagarre entre deux hippopotames? Bon, ou alors, qui a déjà vu même à la télé un rhinocéros? C'est ça? Oui! Non! À deux comme ça au lit. Non, on ne suffit pas. Heureusement que moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Non. Une sortie comme celle-ci, je l'emmène où? C'est pour cela qu'il faut être très vigilant. Savoir choisir le milieu où on glague la femme de sa vie. Lorsque tu glagues une femme pendant une veillée funèbre, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Aide-toi! Non! Pas exagéré! Aide-toi! Oh! Aide-toi! Non, Dieu m'aime beaucoup. C'est-à-dire quand Dieu m'a vu comme ça, il a demandé quel est le genre de femme que je peux envoyer à Edoudoua. Il t'a envoyé chez moi. Oh non, tu as une chance pour ma vie. Qu'est-ce que tu venais de dire? J'étais en train de dire aux gens qui ne te connaissent pas que la femme que moi j'ai chez moi, c'est-à-dire que c'est un dessin, c'est une peinture. C'est-à-dire que c'est une architecture orchestrée par Dieu, le Père Tout-Puissant, lui-même en personne. Oui. Aide-toi, c'est ce que tu as dit. Oui. Aide-toi, c'est ce que tu as dit. Et j'ai même fini en disant que, non, si quelqu'un veut t'insulter, il n'a qu'à dire « belle femme », c'est tout. Oui. Et je te jure que le jour où tu me dis que c'est fini entre toi et moi, non, mieux, je me suicide. Aide-toi, je te connais. Oui. Hein? Je te connais. Voilà. C'est pas ce que tu disais. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que je n'ai pas de forme, que je ne ressemble à rien. Entre temps, toi et moi ne suffit plus au lit. C'est pas ce que tu as dit. Moi, j'ai dit ça. Et toi, tu as dit ça. Moi, j'ai dit ça. Tu as dit ça. J'ai dit ça. Non. J'ai dit ça. Non. Bon, bref, soit, si j'ai même dit ça, tu vas me faire quoi? Si j'ai dit ça là devant les gens, tu vas me faire quoi? Et toi, je t'ai dit que quand tu me parles à 3 mètres de moi. Ok. Dieu, je sais que le paradis est déjà plein. S'il y a une place en enfer, il y a quelqu'un qui arrive. Edith, il te reste 15 secondes. Pour faire quoi? Il te reste 10 secondes. Tu as dit ça la semaine passée, qu'est-ce qui est arrivé? Edith, il te reste 5 secondes. C'est pourquoi? Il te reste 3 secondes. Qui m'a appelé là? Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Il fallait continuer à rester ici. Il fallait rester là, tu allais me sentir ici maintenant. Non. C'est-à-dire, quand je pense comment tu m'avais glagué, j'ai les larmes aux yeux. Pardon? Aide-toi. Qui t'avait glagué? Zach. Moi? Zach, c'est pas toi qui m'avais glagué. C'est pas toi. Moi, t'es glagué, aide-toi. Moi, je peux te glaguer. Aide-toi, je peux te glaguer. Zach, tu m'as pas glagué. Tu m'avais glagué, aide-toi. Zach, j'ai dit, tu m'avais glagué, tu m'avais dit. Tu m'avais glagué. Tu as pas de moi. Et dis-toi, quand tu me regardes ici, moi là, je peux glaguer un homme. Dieu m'a créé, il vient de manger. Raconte alors, comment? Doucement, quand je parle, tu fermes ça. Quand je parle, tu fermes. Je suis assis. J'ai pas fini. Voilà. Et dis-toi, je marchais ma chose ce soir là. Oui. Sip, sip, sip. Tu sifflais qui? C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que Sip fut ton nom d'avant? Je suis assis, je vois deux filles qui passent. Il y a une métisse et une autre fille comme ça là. Alors moi je siffle la métisse, qui n'a pas mon temps. Mais l'autre qui est comme ça s'intéresse à moi, je dis ah. L'autre qui est comme ça donc c'est moi. Mieux vaut un que zéro, voir comment je suis venu vers toi. Et tu vas donc me boire comme ça. Tu vas me boire. Tu vas me boire. Ah, t'as dit quand la marche te suit, hein, où j'étais sous, j'ai même vu quoi, où c'est quoi même. Oh, et toi. Tempo, ne me manque pas de respect, tu as compris? Ne me manque pas de respect. Quand tu me regardes là, Dieu m'a créé, venant de manger la tchéquée.
c'est pour le derrière, quand je me retourne, c'est positionné. Et quand je reviens ici devant, si c'est la poitrine là, Nas, tu me demandes l'autographe, hein. Donc quoi? Attention. Quoi, tu demandes quoi? Nas, tu me demandes l'autographe ou ça. J'ai le mais des réformés comme ça là. Tu appelles qui réformé? Les réformés. Les réformés. Les réformés. Les réformés. Et Doudou Anon Glacé et Zach Kougla, mesdames et messieurs. Mais honorable président. Oui, vice-président. Il paraît que quand quelqu'un tombe en transe là, oui, c'est de l'eau bouillante qu'on verse sur lui pour le ranimer. De l'eau bouillante? Oui, de l'eau bouillante. Mais tu sais, moi, dans mon village, on dit que quand quelqu'un tombe en transe, il faut prendre un marteau en fer pour lui taper dessus. Mais il va mourir? Il va se réveiller. Ah. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand le gars il tombe en transe comme ça, il faut le têter sur le menton. Mais il va mourir? Voilà. Mais vous êtes des criminels ou quoi? Pourquoi vous dites des choses comme ça? Charlotte, ces gens-là sont à la base de division dans beaucoup de familles. C'est ce que l'honorable Gouy était en train de t'expliquer. Président, tu te fatigues pour expliquer quoi? À qui? Celle-là, elle a tout compris. Elle a tout compris. Ça veut dire que c'est nous qu'elle veut manipuler pour voter une de ces lois bidons-là. Mais attends, toi, tu as tiré à terre. Arrête de me toucher. Je te touche. Doucement. Bon, je crois qu'il faut qu'on passe à l'essentiel. Hein. Président. Un peu de calme et de résonance. Voilà. Tous ceux qui tombent en transe, là, on trouve une commune pour eux. On clôture la commune. Comme ça, celui qui veut aller là-bas pour savoir quel parent a tué quel parent, ils font ça là-bas. Nous, on est tranquilles. Hey, c'est là-bas quelqu'un qui tombe en transe. Honorable président, honorable Dubé. Non, tu es un bon parlementaire et ta proposition est mieux que d'autres. Voilà. Voilà. Président, oui, donc si je comprends bien, on va mettre des gens en quarantaine. C'est ça? Non. Non. Donc le peuple est devenu un virus. Mais est-ce qu'ils sont 40? Charlotte. Il faut connaître le nombre de gens d'abord avant de dire. Ouais, ils sont, les gens qui tombent en transe au Gondwana ici. Ah, moi, je ne peux pas accepter ça. On t'a déjà dit qu'ils sont 40. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Charlotte. Toi, tu es qui et puis tu vas accepter ça? S'il vous plaît. Tu n'es rien? S'il vous plaît. On est dans un parlement, les voix de chacun sont respectables. Charlotte, c'est ce qu'on explique. Donc, nous allons revenir sur ce débat qui est très important. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire. C'est un grand voyageur. Il est en France un jour, il est à Abidjan un autre, il est à Yaoundé de l'autre côté. Mesdames et messieurs, il a pris l'avion, il est venu jusqu'ici. Levez-vous pour accueillir le compteur Mbinda Ngazolo. Bonsoir, chers parlementaires. Bonsoir. Alors, ce jour-là, Zé la Panthère va se promener dans la forêt comme à l'accoutumée. C'est alors qu'au détour d'un sentier, Zé la Panthère tombe sur une jolie poule. Une poule tellement jolie que Zé la Panthère tombe lourdement et profondément en amour, comme on dirait chez les Québécois. Zé la Panthère décide de ramener la jolie poule dans sa demeure. Le problème, c'est que dans sa demeure là-bas, il y avait déjà au Kpala la perdrix, sa première femme. Du jour où Zé la Panthère est arrivé avec sa jolie poule dans sa demeure, chaque fois que Zé la Panthère revient de la chasse, Zé la Panthère dépose tout le fruit de sa chasse uniquement dans la demeure de sa jolie poule, délaissant complètement au Kpala la perdrix et toute sa progéniture. Alors un jour, le chef de famille lui demande « Ok, Azé, comment se fait-il que tu délaisses la femme qui t'aime ?» Et c'est celle qui ne t'aime pas que tu poursuis de ton amour et de tes largesses. Es-tu devenu aveugle? C'est vrai que l'amour rend aveugle, mais enfin, ouvre les yeux. Là, la panthère se fâche. Yeah, ouais. Je ne vous permets pas de vous mêler des affaires de mon foyer. Moi, je sais que ma jolie poule m'aime. Où est votre problème là-dedans? Tout le monde connaissait son mauvais caractère. Alors, le chef de famille devient conciliant. Il dit, voilà, nous allons te proposer un stratagème. Demain, nous annoncerons à tous les animaux de la forêt que la panthère vient de mourir. Et comme le veut la tradition, tes deux veuves devront donc venir se lamenter sur ton corps. Par leur lamentation, nous saurons exactement laquelle de tes deux femmes t'aime réellement. Le lendemain, voir le chimpanzé bat donc le tam-tam de deuil.
Coucou là. Zazurasi, quand. Traduction. Venez tous. Zela Panthère est couché raide. Tous les animaux se retrouvent donc devant la demeure de Zela Panthère. Le chef de famille prend la parole pour s'adresser à Okpala la Perdrix. Et lui dit, Okpala la Perdrix, c'est vrai que c'était de notoriété publique que ton mari ne partageait plus ta couche, mais néanmoins, comme c'était toi la première femme, c'est donc à toi que revient le droit de te lamenter en première position. La Perdrix arrive donc et dit, soutenez-moi alors. Alors, les animaux de la forêt, c'est vous autres. Donc, quand la Perdrix commence à chanter, les autres animaux répondent, Asina, c'est facile. Quand je vous fais signe, vous répondez, tous avec moi. Asina. Alors la Perdrix commence ses lamentations. Yana maïse ya louga yek. Maïse vibwana yek. Zezinga tuama bwano yek. Zezinga longa ndo yek. Wawananma yona yek. Wawananma kamo yek. Ake! Rajabe! Mes chers amis, pour ceux qui ne comprennent pas le béti, ma langue maternelle. La Perdrix disait, c'est la panthère, je ne te regrette pas seulement parce que tu étais mon mari, tu étais aussi mon amant. Maintenant que tu t'en vas avec tout le matériel, comment je vais faire? C'est la panthère qui construira une demeure pour mes enfants, qui nourrira mes enfants. Tous les animaux de la forêt étaient en pleurs. Okay. Donc là, le chef de famille dit, bon, ok, tu as montré que tu aimais ton mari, va te reposer. Coupe la poule. Passe ici. Ce n'est pas chez toi que Zela Panthère allait déposer tout le fruit de sa chasse. Viens pleurer sur le corps de ton mari ici. Attends. La poule arrive donc comme une poule mouillée. Moi, je vais faire quoi? Il est déjà mort, non? Soutenez-moi alors comme vous avez soutenu celle-là. Mes chers amis, c'est ce jour-là que j'ai découvert que, en fait, c'est la poule qui a inventé le rap. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de se lamenter normalement sur le corps de son mari comme toute bonne veuve et pleurer, la poule commence à rapper. Et vous répondez, Asina, en battant les mains, hein, parce que c'est du rap vigoureux. Allons-y. Ikori, ikori, Asina, ikori, 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 Jaouya, Jaouya, qu'on me donne le pouvoir et les boyaux, je vais picorer, je vais avaler, ikori, ikori. Mais chers amis, Zela Panthère n'en revenait pas. Comment ça? Ma chérie Coco envisage sérieusement d'ouvrir mon ventre pour picorer mon foie et mes boyaux. Là-dessus, la panthère bondit de son écorce mortuaire, se saisit de coups la poule et l'avale d'un coup sec. En worm. Ouais. C'est pour ça que, contrairement à ce que pensent certains naïfs, l'amour n'est pas toujours une route à double sens, comme les autoroutes. C'est même parfois une route à sens unique. Merci beaucoup. Binta Ngazolo du Cameroun. Président. Oui. Honorable en fait, moi, il y a une question qui me tire l'épine. Oui. Pourquoi nous ici, là, au Parlement, ici, là, pourquoi on tombe jamais en transe? C'est ça. Pourquoi c'est les autres qui tombent en transe, et puis nous-mêmes, là, il faut qu'on tombe en transe pour savoir c'est quoi. Mais on ne peut pas. Tu sais très bien que nous, les membres du bureau exécutif, nos esprits sont trop puissants, c'est pour ça. Ah, ouais. On est trop blindés. Non, c'est ça, c'est le blindage automatique. Attends, moi, mon esprit, là, c'est dur, hein. Quand les autres esprits arrivent comme ça, là, mon esprit sort un panneau stop. Il dit, hey, toi là, si tu ne vas pas ailleurs, je vais te gifler très mal. c'est ça. Mais président, tu ne vas pas me dire que tu es de connivence avec ces deux-là? Oh, président, tu me déçois. Hein? Non, c'est-à-dire, Charlotte, normalement, ce que, président, de toutes les c'est pas ça, là. C'est quoi ça? Attends. Non. La petite fille, là, dès qu'elle parle, en même temps, tu mets beaucoup de pointillés dans tes bras. C'est quoi ça? Attends. Honorable Dubé. Oui. Quand je te dis toujours qu'on n'a pas un président ici, là, c'est maintenant tu crois. Et lui, là, il est perdu, hein? Non. Si tu continues, là, tu as tiré à terre. Non, c'est pas la peine. On n'a qu'à compter sur nous-mêmes ici, là. C'est pas la peine. D'accord. Mais regarde comment il te parle, président. Hein?
Mais tu attends quoi pour les limoger sans payer leurs droits, président? Mais fais quelque chose. Viens limoger. Viens limoger. Go où? Impoli. Go où, méfie-toi. Je te jure, si tu continues, tu vas me connaître tout de suite. Voilà. Mais qu'est-ce que Gohou n'a pas connu ici? Non, je ne comprends pas. C'est la vérité. Qu'est-ce que Gohou n'a pas connu ici qu'il va connaître maintenant? C'est ça. Président, nous ne sommes pas tes enfants. Parce que la petite fille a parlé, donc toi tu veux crier pour nous effrayer. C'est nous-mêmes, on va t'effrayer ici. On va t'effrayer ici. On va t'effrayer ici. Bon. Vous avez la chance que je ne veux pas m'énerver. Donc, en attendant que je me calme, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un honorable parlementaire qui, lui, a fait l'effort de venir nous rendre visite. Il vient de Libreville. Mesdames et messieurs, c'est un Gabonais et il s'appelle tout simplement Manitou. Est-ce que ça va ce soir? Ah, ça, vraiment. Les femmes kwakwato. Nous, chez nous, le kwakwato, on appelle ça le Congo, ça. Ah ouais, je vous assure, en fait, si on devait trouver un travail à ces femmes-là, ça devait être le journalisme. Parce que les journalistes parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a même un peu le mensonge là-dedans. La dernière fois, je suivais le journal du Gondwana. Ah, j'écoute un journaliste dire, oh, le président fondateur a détourné un montant de 50 milliards dans les caisses de Gondwana. Déjà, un, c'est du mensonge. Il n'y avait pas 50, il y avait plus que ça. Deux, ça ne vous regarde pas. Bien, remarquez bien que dans tous les pays africains, dans tous les différents quartiers, il y a toujours une femme qui a le dossier de tout le monde. Elle sait tout sur les hommes et les femmes du quartier. Ah, je vous assure, tu vas trouver Lago toujours à l'axe avec la copine en train de courser. Marco, je te jure, là où tu vois là, tu connais le mari de Charlotte, non? Il est carrément sorti avec la jeune étudiante qui vient à peine d'arriver dans le quartier là. Mais ça, c'est même rien. Je te jure devant Dieu, Charlotte, une belle femme comme ça, qu'est-ce que les hommes cherchent? Ah, laisse Marco, Charlotte le sien, on connaît les bêtises qu'elle fait avec le vieux Mamadou, le boutiquier là. Le boutiquier là aussi que tu vois Mamadou là, c'est dangereux. La dernière fois, tu as vu la petite qui vient prendre les bons là, fais attention. La petite Jenica qui est toujours les yeux pointus là. Cette fille là, elle-même elle n'aime pas les préservatifs. La dernière fois, je l'ai quand même vu avec Gohou Michel. Oh non. Non, je vous assure. Et moi dans mon quartier, malheureusement, c'est ma femme qui joue le rôle là. Moi-même, je l'ai surnommée Africa numéro 1. Oh non, la petite, elle me tue. La dernière fois, elle a surpris la femme du voisin dans un motel. Et elle vient directement me dire, chérie, j'ai carrément vu la femme d'Edouard dans un motel. Un faux motel comme ça, mon Dieu Seigneur. Mais ça, c'est une sorcière. Un motel où les matelas ne sont même pas confortables. Chérie, surtout la chambre 11, là, la chambre 11. La chambre 11, elle, le lit, elle fait que... Mais laisse, au lieu d'aller dans les vrais motels, comme le motel de la ville où les serviettes sont propres. Ah! Chérie, comment toi-même tu sais ça? Non! Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les quartiers, ce sont les disputes des femmes. Je vous assure, quand les femmes disputent entre elles, non, c'est grave. C'est une mine d'informations. Si tu viens bien mettre l'oreille, tu vas apprendre des choses que tu ne pouvais même pas être au courant. Moi, par exemple, c'est lors d'une dispute entre ma femme et celle du voisin que j'ai tout de suite su que mes deux derniers enfants n'étaient pas les miens. Mais moi-même, quand je regardais les enfants là, puis j'ai dit, oh, les enfants là ressemblent au gars qui nous livre les habits là, le Nigérien. Il était du Nigeria.
Et à chaque fois qu'il nous livrait les habits, attends, je comprends maintenant pourquoi à chaque fois que je frappais mes enfants, le gars était toujours là pour intervenir. Non, mon frère, tu ne peux pas faire ça. Les enfants passaient derrière moi, tu ne peux pas, tu es quand même quelqu'un de responsable, tu ne peux pas, tu vas frapper un enfant comme ça. Et il avait toujours des mots pour Mamadou. Jean me calmait le cœur, il dit, non, mon frère, tu sais ce que tu vas faire. Il y a Dieu qui peut punir l'enfant. À quel moment Dieu va punir mes enfants? Bon, mon frère, ce qui est là, tu vas prendre 1000 francs, tu vas boire les bandits ou bien les drogues. Bah, c'est bon pour toi. Mais ce qui me blase, mesdames et messieurs, c'est que ma femme, c'est vrai qu'elle parle beaucoup, mais par contre, elle est démocrate comme toutes les femmes d'ailleurs. Ah oui, et c'est grâce à une dispute que j'ai compris que les femmes ne sont pas contre le fait qu'on les trompe, mais sont par contre contre le fait qu'on les trompe avec les gens proches. La dernière fois, j'ai trompé ma femme avec la voisine. Elle me dit, chérie. Comment tu peux me tromper avec la voisine? Tu ne pourrais pas aller faire ça ailleurs. Mais tout de suite, j'ai compris. J'ai dit, ok chérie, je ne veux plus te tromper. Avec la voisine, je vais maintenant aller faire ça. Aïe! Merci! Manitou du Gabon, mesdames et messieurs. Alors. Oui, tu as la parole, vice-président numéro 1. Honorable président. Oui. En ma qualité de premier vice-président de ce Parlement. Go. Hein? D'accord. Alors, je prends la parole. Je te donne la parole. Voilà. Tu es le futur président. Donc. Je suis le futur président. Donc, je prends la parole pour dire que cette loi est votée. Et puis, il n'y a rien. Voilà. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quoi? Voilà. Digbe, tu te mets avec Gourou? Hé. C'est quoi ça? Non, il faut arrêter ça. Charlotte, non. Charlotte. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Honorable Gourou. Non, faut pas dire mon nom. Non, ne dis pas mon nom. Ne dis pas mon nom, pardon. Honorable Gourou. Non, ne dis pas mon nom. Non, attends. Gourou a fait quoi? Pourquoi tu as marabouté le président? Gourou. C'est pour ça tous les matins j'ai mal à la tête comme ça. Je crois que c'était le café, c'est toi, tu m'as marabouté, Gourou. Tu vas voir ça ici. Non, calme-toi, président. Non. Tu as déjà marabouté. Calme-toi. Faut te calmer. Calme-toi. Gourou. Mais Gourou, tu es mauvais. Tu es mauvais. Le président t'a fait quoi? Tu veux ma place? Attends. Président. Hein? Président. Non, faut pas dire mon nom. Faut pas dire mon nom ici. Président. Non. Hein? Pourquoi tu as mis nos noms dans un canari que tu as enterré? Emma, non. Soldat, viens me sauver là. Viens les arrêter, soldat. Soldat, arrête. Président, tu es mauvais. C'est quoi ça? Président, tu es mauvais. Tu es mauvais, président. Viens. Fais sortir, Charlotte. Viens. Tu dis n'importe quoi, Charlotte. Tu dis n'importe quoi. On va te faire manger des œufs de crocodile pour te guérir. Ah, là, Charlotte. Là, c'est gâté, hein. Bon, vu le nombre d'esprits qu'il y a dans ce Parlement, je prends la parole en tant que premier vice-président de ce Parlement pour vous annoncer le prochain parlementaire. C'est un ambassadeur. Mesdames et messieurs, ovation pour Agarawal. Chorégraphie, vous connaissez pas encore.
ça va venir. On va faire la promo un peu, ça va prendre. Non, c'est bon, c'est une belle danse. Hein. En fait, ça fait c'est comme la danse zouglou, quoi. Le zouglou, c'est digeste, léger, light, on ne se fatigue pas beaucoup, on ne transpire pas beaucoup là-bas. Parce que le zouglou même, à la base, est une musique de conscientisation, de sensibilisation, qui décrit un peu les souffrances des populations, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Qui passe toujours... qui passe toujours un message, un message. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, bon, enfin, c'était avant. Sinon, les nouveaux zougloumans de maintenant, là, ils s'en foutent. Tout est mélangé. Tu sens qu'ils ont envie de dire quelque chose. Mais ils n'ont pas cœur. Ils n'ont qu'à toucher, ils vont comprendre. Du coup, tout ce qu'ils ont envie de dire, là, quand ils sentent, là, tout est en parabole, tout est en code, tout est en proverbe. Tu es là comme ça, dès que tu allumes ta télévision, tu attends, c'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Nous, on est en train de réfléchir pour savoir, on parle de caleçon de qui. C'est en ce moment, tu vois, il y a une dispute qui éclate là-bas, l'autre côté, entre d'autres zouglumans. Il y en a, pour une affaire de boisson, hein, simplement comme ça. Il y en a qui te disent, je ne bois plus. Oh! Et de l'autre côté, tu entends, on n'a qu'à boire. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Dans une pagaille pareille, tu te dis, bon, attends, on va se réfugier un peu dans le coupé décalé. Mon frère, coupé décalé, là, c'est une bonne musique, c'est bien. Mais là-bas, mon frère, tu as l'impression que eux, leur source d'inspiration, c'est les clashs. Parce que tu as l'impression que c'est la seule musique où le clash est au quotidien. Coupé décalé, ils clashent son propre DJ, son propre camarade, collègue, coupé décalé. Ils clashent son manager, ils clashent son danseur, ils clashent son producteur, ils clashent ses propres parents. Même ses propres publics, même qui font de lui une star, il le clash. Et puis il n'y a rien. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu as l'impression que, du coup, ça traumatise le public et puis ça les terrorise. Tu croises un fanatique de coupé décalé comme ça dans la rue. Toi, tu es l'artiste, mais dès qu'il te voit, voilà comment il t'aborde. Hey, mon vieux! Non, toi, tu es mon fan même! Attends, entre nous, c'est toi qui es artiste ou bien c'est moi qui suis artiste? Elle dit, tout est renversé là-bas. Et le coupé décalé, le DJ même qui te voit, et il sort toujours dernier son. Dès qu'il te voit, son son, il a sorti, il sort toujours dernier. Il te dit, mon vieux, ça c'est mon dernier. Comme si après ça, il ne chante plus. Ou bien il va renchérir encore pour te dire, c'est une bombe, ça va tuer. Bon, attends, si c'est une bombe et que ça va tuer, il ne faut pas t'étonner que quand tu joues, personne ne vienne à ton concert. Donc tu vois, tu vas aller là où il y a bombe. Qui va aller là où il y a bombe et puis ça va exploser pour le tuer. Donc si tu as tapé poteau, mon frère, c'est toi-même qui as fait. C'est ça qu'on appelle la destruction. Non mais, oh Dieu merci quand même, on a certains gars pour nous sauver, les Camerounais comme d'habitude. Seulement, depuis qu'eux ils sont tombés dans la sauce, on ne les entend plus. On ne sait pas où ils sont. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va leur donner un coup de main. Quand tu tends la main de leur côté, quand on t'entend... Si tu te donnais ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, les filles, c'est jusqu'à la gare. Si je te donnais ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Et puis tu entends, notre amour est confirmé. Il est cimenté jusqu'à la gare. Maintenant, si tu n'as pas de transport pour aller à la gare, il y a une partie dedans. Il y a une partie dedans pour te satisfaire. Tu entends? Go down, down, go down. Go down, down, go down. C'est du faut descendre. Non, 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 les filles. Je sais que vous aimez ça. Vous, les filles, je sais que vous aimez cette chanson. Mais moi, au quartier, il y a une de mes camarades qui a chanté ça. Pendant que je me débrouille pour avoir juste un petit quelque chose pour payer poulet, pour qu'on mange, on est en train de manger. Et c'est la chanson qu'elle commence à chanter. Je dis, à la gare, non? Ok, laisse, voilà la version que moi j'ai composée pour toi qui identifie automatiquement mes objectifs immédiats. Si tu as mangé mon poulet, c'est jusqu'à l'hôtel. Toi et moi, c'est jusqu'à l'hôtel. Je vais te pilonner, te fracasser jusqu'à l'hôtel. Tu vas crier, oh maman, oh maman. Hey, oh papa, oh papa, merci. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait ce soir Aga Lawal, Edoudoua, Fakoubla, Manitou, Bindal Gazelo et Aga Lawal, bien sûr. Le soldat Dao, soldat sans grade, Charlotte Vitamac, Dupe Cravate,
Michel Kouhou qui est resté debout. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Et si vous avez raté, ben c'est dimanche prochain ou l'autre dimanche, mais c'est tous les dimanches. Et si vous ne pouvez pas, ben c'est sur mon canal. Sur l'application My Canal, mesdames et messieurs, vous pouvez télécharger. L'application My Canal vous permet de regarder tous les épisodes du Parlement du Rire et toutes les vidéos. Au revoir, mesdames et messieurs, bonsoir.